Bonjour, bah, comme tous les matins, c'est pratiquement le dernier matin où nous faisons les interviews en direct du Code Bar. Merci à l'équipe de nous recevoir gracieusement. Un bar sympathique, allez-y. Je vous parlerai d'un autre bar tout à l'heure. Nos remerciements à la Baie des Corsaires qui nous reçoit donc gracieusement pour les spectacles tous les jours jusqu'au 27, parce qu'il y a une troupe qui finit le 27. C'est à Montfavet, zone commerciale de la Cristole, en face le McDo, vous ne trouvez pas de restaurant. Ensuite, on va te remercier toi Olivier, quelle ambiance télévision, merci d'être là tous les matins, présent, bon pied, bon oeil. Et notre invité, Dominique Lotte, merci Dominique d'être venu, d'avoir pris un peu de temps parce que c'est pas toujours simple. Non, c'est pas simple, en effet. Alors on parlait d'un autre bar sympathique, on va parler du bar de Langue. Exactement. C'est un bar culturel. C'est le premier bar culturel du sud de la France. Et on peut dire pluriculturel, multiculturel. Ah oui, on fait de tout. On fait de tout et on fait de la culture tout au long de l'année. Donc on a des ateliers qui se tiennent tous les jours au bar. Des conférences, des projections de films d'auteurs, du théâtre, des concerts, on accueille tout type d'activités tout au long de l'année. Et comment on arrive là pour dire on sort d'un bar normal pour arriver à un café culturel en étant le premier en plus, ça ne doit pas être simple. Non, c'est pas simple du tout, c'est un parcours du combattant d'ailleurs. Hein. Ça a commencé quand j'ai acheté le bar en 2007. Donc je voulais en faire autre chose, donc j'ai commencé à faire des vide-greniers, des concours de toutou, etc. Au fur et à mesure, ça a évolué. Ensuite, j'avais des jeunes étudiants qui venaient au bar, qui faisaient le conservatoire d'Avignon, qui avaient une pièce à présenter et qui n'avaient pas de lieu. Et moi, je connaissais les programmatrices, donc en fait, on a réuni les personnes ensemble, on a fait venir du public et ça a fonctionné. Et entre-temps, on avait fait des concerts avec des gens d'Avignon que je connaissais qui chantaient ou qui faisaient de la musique. Et on a commencé comme ça. Ensuite, en 2000, il y a 4 ans maintenant, 4 ans, 5 ans en arrière, j'ai un client du bar que je remercie beaucoup parce qu'il s'appelle Étienne et sa dame, c'est la responsable du centre socio-culturel de l'Esprit Hibou à Montfavet. Ils m'ont parlé du collectif Barbare. Donc je suis rentrée avec mon syndicat professionnel en contact avec le collectif Barbare et je suis devenue membre du collectif Barbare puisque je suis également syndiquée au niveau de l'UNI 84. Vous voilà. Précisez, un Barbare, c'est... BARS. C'est un collectif de bars qui s'est monté à Nantes il y a quelques années en arrière. Le collectif s'est monté parce que justement dans les bars, il y avait le début de la crise qui arrivait déjà. Ça se faisait sentir que les apéros commençaient à changer. Donc ils ont décidé de se regrouper entre patrons de bars et de créer ce collectif. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'être en conformité vis-à-vis de la loi au plus juste par rapport à l'activité culturelle. Alors c'est un parcours du combattant, pourquoi? Parce que pour être bar culturel, il faut rentrer dans des registres bien particuliers. Ça veut dire qu'en fait, il faut être déjà détenteur des licences de spectacle. Donc ce qui est le parcours du combattant pour un patron de bar, parce que imaginez-vous, vous absentez une semaine de votre lieu pour aller à l'école, pour passer tout ce qu'il faut, les commissions de sécurité, etc. C'est très compliqué. Donc maintenant, le bar culturel de Langue a ses licences, on a la licence 1, 2 et 3. On a une commission de sécurité qui est acceptée, on a été reclassifié L5, ça veut dire lieu de spectacle. Donc on est maintenant à part entière un lieu culturel. Mais c'est assez compliqué parce que la législation n'est pas vraiment souple et que toutes les obligations que l'on a dans la culture sont les mêmes que les obligations d'un théâtre. Donc c'était quand même un parcours du combattant. Oui. D'ailleurs, pour faire une billetterie, il faut avoir une licence 3. Pour faire organisateur de spectacle, il faut avoir une licence 1. Bien garder les éléments et après pouvoir se défendre pour pouvoir avoir les obtentions de licence. Alors, on va revenir sur le festival, c'était pratiquement un satin. Si on faisait un constat, alors, parce que c'était quand même un lieu décalé, qui est hors centre-ville. Tout à fait. Alors, le résultat des courses pour 2014 est complètement différent de celui de 2013. 2013, on avait énormément de public et on avait moins de programmateurs. Et cette année, on a eu beaucoup plus de programmateurs et on a eu moins de public. Donc le but du jeu quand même du festival, c'est que les compagnies vendent. Hein, leur objectif, c'est quand même de vendre leur spectacle. Donc on a reçu plus de 35 programmateurs pour l'ensemble des pièces, ce qui est pas mal, puisqu'on n'est quand même pas en intramuros. Ça crée des réseaux sociaux qui fonctionnent, puisqu'on a eu même des programmateurs qui ont passé la journée entière au bar et qui sont restés de la première pièce jusqu'à la dernière pièce. Donc ça fait plaisir, parce que c'est pas évident de les faire sortir, et encore moins les programmateurs. Quoi, hein. Mais ils ont joué le jeu, ils sont venus, il y a de bonnes touches. Il y a des touches avec des structures très importantes. Voilà, et puis c'est des touches qu'on va développer tout au long de l'année.
puisqu'on a eu des organisateurs de spectacles, enfin, des diffuseurs ou des théâtres qui sont venus avec qui on développe des partenariats. Et normalement, d'ici, grosso modo, le mois de septembre, il va y avoir 7 partenariats officiels avec des théâtres à Lyon. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ça bouge. Ben oui, ça bouge. Mais c'est du boulot, hein. En tant qu'organisatrice, et on va prendre le côté organisatrice, oui, bien sûr. Hein, est-ce que tu as, ou tu vois, je ne connais pas, mais tu parles, un coup de cœur dans ta programmation. Sans dire du mal des autres, bien sûr, c'est toujours difficile de sortir une pièce. En fait, des coups de cœur, j'en ai plusieurs, parce que en fait, les pièces, je les ai... Les créneaux sont pris depuis septembre 2013, d'accord ? Donc depuis septembre 2013, les 6 créneaux que j'avais organisés dans le bar étaient pris. Les gens qui sont venus jouer au bar, ce sont des gens que je connaissais en priorité. Alors, un coup de cœur, en fait j'ai un coup de cœur pour tout le monde puisque je les connais tous en finalité, quoi. La première pièce était Soleil Van Gogh, c'est une pièce qui avait joué déjà au bar de l'Angle durant l'hiver. C'est une pièce que j'aime beaucoup parce que c'est une compagnie qui a été créée, qui a mis en scène et qui joue la pièce. C'est une compagnie d'armes qui s'appelle la compagnie Le Rouge et le Vert. Et c'est des gens que j'adore parce qu'ils sont engagés dans ce qu'ils font. La mise en scène est extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment une pièce que j'adore. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus pour le festival. Ensuite, il y a deux pièces qui ont arrêté le 18 parce qu'ils avaient un festival après à faire. Vous avez choisi et puis reconnaît pas. C'est de la rigolade, quoi. C'est des super pièces rigolotes. Et le coup de cœur encore plus parce que ce sont des voisins du bar. Donc ce sont des comédiens du bar, dont Laurent Provost, c'est la compagnie Grande Salade. Laurent Provost, et puis après j'ai découvert ses collègues Bruce Brunetto, Sébastien Boucher, qui a fait plusieurs fois le Ruquier, qui est quand même bien connu. Ils ont fait ils ont participé à Plus belle la vie, ils ont fait pas mal de choses, et avec également Alice Chevalier. Donc c'est des coups de cœur parce que c'est rigolo, hein, c'est des pièces rigolotes qui sont faciles, mais qui ont quand même un objectif dedans, où ils revendiquent quand même des choses, donc c'est très intéressant. Voilà. Alors eux, ils ont arrêté le 18 parce qu'ils partaient faire un festival en Haute-Savoie. Ensuite, Textasique de Margot Charon, de la compagnie à trois branches. C'est une pièce que j'adore parce que Margot, l'année dernière, elle avait fait le festival avec nous. Elle avait prévu sa pièce une semaine avant et la semaine d'après, c'était complet, quoi. Et ça me tient beaucoup à cœur sur le texte parce que c'est Être libre à mourir, c'est des textes de Sophie Scholl, qui justement est une jeune qui a milité contre le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a perdu sa vie justement à ce moment-là. Elle a été décapitée avec son collègue. Donc c'est une pièce qui me tient à cœur parce que c'est un thème intéressant. Ensuite... On est dans l'anniversaire en plus. Bien sûr. Et ensuite, vous avez Kainka. Alors Kainka, je ne connaissais pas les comédiens. C'est une compagnie de Nîmes. Et un coup de cœur, pourquoi ? Parce qu'en plus, c'est une pièce de Valetti. Valetti, c'est notre marrain. Ça fait 2 années qu'on travaille avec lui. Et c'est un mec extraordinaire, quoi. Il vient au bar de l'Angle. Il est revenu cette année. On a passé une soirée ensemble. Et les deux comédiens qui font la pièce Kainka, ils sont extraordinaires. Comme ils sont sur scène, comme ils sont dans la vie, quoi. Donc, en finalité, les coups de cœur, je ne peux pas en avoir un en particulier, quoi. Et Marseille Rouge Sang, qui est la pièce qui remplace l'autre pièce qui s'est arrêtée. Marseille Rouge Sang, c'est pareil, ce sont des gens d'ici, quoi. Alors, j'ai voulu privilégier les gens du secteur. C'était l'objectif. Privilégier les auteurs ou les gens qui jouent et qui sont du secteur. Donc grosso modo sur les 7 compagnies, et puis Richard Domas que j'oublie qui vient ce soir faire son concert, c'est normal que je prenne aussi, c'est un ex-soir, c'est quelqu'un avec qui je travaille toute l'année, il voulait faire le festival, c'est quelqu'un qui a un talent extraordinaire puisqu'il est auteur, compositeur, interprète. Il a fait les premières parties de Moustaki, il a fait le festival de la chanson de Jean Vera, le festival de la chanson ailleurs, donc il a de la bouteille. Donc voilà quoi, en fait, je peux pas avoir un coup de cœur puisque je les connais tous. Donc, j'ai pas envie de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Voilà, donc, pour moi, ils sont tous pareils et c'est que des registres complètement différents. Alors, donc, à partir de septembre, on commence à prendre une dimension un petit peu supérieure. C'est la même chose. On reprend simplement que maintenant, on est vraiment dans les plaques. Mais ça fait des années que ça tourne comme ça. Là, on est sur la programmation déjà du mois de novembre. Donc, on a déjà pratiquement tout de bouclé. Et puis, ça crée des réseaux parce que moi, je vois là. Il y a des gens qui m'appellent, qui viennent de l'étranger, que je ne connais pas du tout. Alors ils passent par le réseau Barbare, ou parce qu'ils ont entendu parler du bar, ou parce qu'ils tapent sur Internet. On est sur 35 sites de réservation en ligne. Donc on a des réseaux maintenant qui se sont créés. Maintenant, si un artiste ou une compagnie veut jouer ils viennent me voir directement, et puis après on s'arrange sur les modalités. Non, il n'y a pas de casting chez moi. Tout le monde a le droit d'avoir sa scène, tout le monde a le droit de jouer. Il n'y a pas de... J'ai aucun parti pris.
Après, bon, c'est le public qui fait. Hein. Si le public aime ou n'aime pas, ben, on reprend la personne. Si le public, on voit qu'il est un peu moins réticent, fait qu'il a moins d'accroche avec le spectacle, ben, on le fait pas. Ou lui se remet en question, il refait autre chose. Et l'objectif, c'est que tout le monde passe. Il n'y a pas de toi tu viens, toi tu viens pas. Quoi. Pour l'instant, j'ai toujours fait comme ça. Et tout le monde est venu et tout le monde doit avoir sa chance de pouvoir présenter ce qu'il fait. Qu'il soit amateur ou qu'il soit pro. On va peut-être rappeler l'adresse. On ne l'a même pas dit. On a dit que le bar de Langue. C'est le bar culturel de Langue. C'est 33 avenue de la Triade à Avignon. Donc c'est un extramuros. Et le numéro de téléphone, c'est 04 90 87 61 66. Voilà. Ben, merci Dominique. Merci à vous. En remerciant encore une fois le Code Bar, merci à vous. La Belle des Corsaires, merci à eux. Et Olivier, merci à toi. Et merci Dominique. Et merci à vous de m'avoir reçu. Pour avoir bien vendu ton commerce. C'est pas que le vendre, c'est aussi vendre les compagnies. Parce que l'objectif, c'est qu'eux travaillent. Merci. Merci beaucoup.